Eh bien, salut tout le monde, c'est Orage Grenoblois. Samedi 8 juin 2024, il est 20h45. Je ne suis pas dans le Rhône. Je ne suis pas dans la Drôme. Je ne suis pas en Isère. Mais dans l'Ain, à côté de Villefranche-sur-Saône, pour assister à ça! Regardez-moi cette dinguerie! Supercellule majestueuse qui est en train de traverser la vallée. Avec une ambiance absolument démentielle. Il y a une activité électrique interne. C'est juste insolent. C'est vraiment insolent l'activité électrique qu'il y a. Des inter et des intras absolument de partout. Juste au-dessus de moi d'ailleurs aussi. Regardez-moi cette structure. Je suis en train de faire un timelapse. C'est monumental. Regardez, oh! Attendez, on l'a raté. Je baisse un peu la luminosité sur l'autre téléphone. Oh, regardez, je suis en train de faire un timelapse. C'est absolument magnifique. Par contre, vraiment, l'activité électrique, elle est insolente. Oh! Juste au-dessus. Il y a des bouts d'éclairs qui passent là, là, vraiment sur la bordure de la supercellule. Il y a des petits bouts d'éclair juste là. Oh! Ah merde, il commence à pleuvoir, ça c'est pas cool. Oh, putain la vache. Regardez-moi cette dinguerie. Oh! Oh, c'est insolent! C'est insolent cette activité électrique! Regardez-moi cette rotation! Oh putain, par contre, il y a la flotte, je dois arrêter le timelapse. Chier. Ah, c'est pas cool ça par contre. Oh, regarde-moi cette dinguerie. Ah non! Il y a la flotte des stratiformes de l'enclume. Ah non, ça va me stopper le timelapse. Vraiment, c'est insolent ce truc. Grosse ambiance. Ah non, non! Ah, ça par contre, c'est pas cool. Parce que du coup, je suis pas à l'avant de la supercellule, je suis légèrement sur la bordure nord. Et bah, du coup, je me tape les stratis de l'enclume. Oh, regardez la rotation, regardez le. Waouh! Oh, c'est énorme! Regardez cette dinguerie! Oh la vache! Regardez-moi cette dinguerie! J'ai l'impression qu'elle se reforme d'ailleurs. Elle s'est un peu cassée la gueule, j'ai l'impression qu'elle se reforme là dans la vallée. Regardez-moi ça! Regardez-moi cette dinguerie! C'est insolent. Oh, t'as les éclairs au-dessus de moi. J'adore. Ah, oh, je veux mon timelapse de ça. Casse-toi la pluie. Ah là, franchement, je. J'ai pas les mots, c'est énorme. Tant que je peux filmer, je filme. Écoutez-moi ça! Cette ambiance! Elle reprend en puissance. C'est dément. En vrai, si c'est que les stratiformes et qu'il pleut pas trop, je peux rester pour faire le timelapse. Oh, mais regardez-moi cette folie! C'est un scandale. C'est quoi ce truc? Dans quoi je me suis embarqué encore. Et demain, orage violent chez moi en Isère. Sur le sud-est en tout cas. C'est vraiment n'importe quoi ce truc. Oh la vache. Quelle ambiance. Y a pas d'impact, que des intras et des inters. Oh, la structure elle est vraiment démentielle. Cette rotation magnifique. Pour l'instant, ça va, il pleut pas des masses. Bon, le rideau est en face, hein. Les éclairs juste au-dessus. Ah, grosse goutte. Ah, merde, grosse goutte. On va ouvrir la voiture au cas où. Parce qu'il va falloir que je range le. Ah, elle est ouverte. Faut que je range sinon le téléphone parce que là. Grosse goutte. C'est quoi ce truc insolent? Ah, le trépied, putain.
flotte, putain, non. Allez, gars, je dois remettre à l'abri, il fait chier. Ah! Fait chier la pluie! Non! Non! Je veux continuer à filmer! Enfin, du moins, faire le timelapse déjà. De ce truc. Putain, le téléphone il prend la flotte. Mes deux téléphones, pas de la flotte. Quoi cette dinguerie? Je sais pas s'il y a de la grêle, enfin normalement oui il y a de la grêle. Hein. Je sais pas où elle est. Je pense qu'elle doit être là-bas la grêle. Sur le... l'arrière de la rotation. C'est vraiment insolent. Téléphone, reste en vie. Bon, ça m'emmerde quand même d'être dans la partie nord de la super cellule parce que bah ça m'arrange pas. Hein. Vous voyez que pas pratique. J'essaie de protéger la partie branchement du téléphone. Oh la vache, il y a des écarts au-dessus. Donc. La partie chargeur pour éviter que ça fasse couru. Normalement, ils sont, on va dire, waterproof ceux-là. Ils peuvent être immergés sous l'eau pendant je sais pas combien de temps. C'est un scandale ce truc. En soi, s'il pleut pas plus, ça va, mais ça va pas que ça dure quoi. C'est bien chiant là. Ah 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 ah! Bon bah voilà, passage de la super cellule, il pleut à torrent. Il a pas l'air d'avoir de grêle. C'est une bonne nouvelle. Attendez. Vache. En tout cas, il a pas l'air d'avoir de grêle. Elle se désagrège, il y a encore pas mal d'activités électriques, mais elle se désagrège. En tout cas, le timelapse que j'ai est absolument magnifique. On voit bien la rotation avec le mésocyclone, c'est magnifique. Il n'y a pas l'air d'avoir de grêle. Hein. Super. Ouais, super cellule, forte précipitation, hein. Malheureusement pas beaucoup de foudre. Mais demain, ça va être le bordel en Rhône-Alpes, côté, notamment côté Alpes, et vallée du Rhône. Ouais, il y a de la buée là. Il n'y a pas de grêle, bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de grêle. Que de la pluie et de la pluie. Au final, la structure n'était pas le cœur de l'orage puisque Villefranche est passé carrément au milieu. Villefranche-sur-Saône est passé vraiment au milieu de la supercellule, donc en fait la structure à l'avant c'était vraiment la partie alimentation puisque la partie flotte elle était vraiment là. Ouais, des intrants. Hein. Mais vraiment pas mal, hein. Comme super cellule. Esthétique en tout cas. Très esthétique. C'est pas de torrent. Mais au moins, y'a pas de grêle. On dit qu'il y a pas de grêle, mais. Vu la gueule du rideau qui arrive, je sens qu'elle est pas loin la gueule. Je sais pourquoi. Je sens qu'elle est pas très loin la gueule. Grosse ambiance. Vous savez quoi, je vais avancer un peu.
Attends, mais j'arrive pas à enlever le frein à main, bordel. J'ai quand même avancé un tout petit peu. Histoire de me sortir un peu de ce bourbier. Parce que là, le chemin n'est pas très praticable. Et j'ai pas envie qu'il se remplisse de flotte. C'est un gros délire. Et demain, on remet ça avec à nouveau des orages localement violents sur, sur mon département. Ouais, on va arrêter juste là. Silence, avec un truc de recul là. Ça va rien. Trop le bordel! Ah, le téléphone qui galère un peu là. Attendez. Il est chaud ou pas? Ah oui, il est chaud. Normalement quand mon téléphone fait ça c'est qu'il va pas bien. Il commence à avoir un peu chaud. Bon, de toute façon je vais couper, il n'y a plus rien d'intéressant à part voilà, un petit peu de vent et le téléphone qui commence à déconner. Bah voilà les amis, c'était 4e épisode et demain 5e épisode avec des orages localement violents de mon côté qui pourraient donner notamment de violentes rafales de sud dans la vallée du Grésivaudan. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je surveille comme le lait sur le feu, parce que quelque chose me dit que le vent va faire des dégâts demain chez moi. J'ai un très mauvais pressentiment. Très très mauvais pressentiment. Au revoir la super cellule de Villefranche. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Malgré que, bon, j'étais pas super bien positionné dans le sens où je me suis pris les stratiformes. J'aurais dû plutôt être à l'avant de la super cellule pour bien voir la rotation, mais c'était quand même sympa. Bah voilà. Bon les amis, on se retrouve demain pour le 5e épisode. Enfin, je pense que je vais pas faire deux épisodes, je vais regrouper celui d'aujourd'hui et demain ensemble. Allez, à plus tout le monde. Oula, ça bug. Hein.